Allô YouTube, c'est Yvette. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui avec une vidéo rapide. Je me suis dit, je viens partager quelque chose avec vous. Donc, ça concerne des produits, quoi. Comment finir, terminer des produits. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que moi je termine des produits. Surtout des produits qui coûtent quand même assez cher. Je pense que. C'est mieux souvent de bien les terminer. Je les terminais pas vraiment bien avant. Alors, ça fait, je pense, 2 mois que j'ai commencé à faire cela. Alors, je vais vous le montrer. Donc, je me suis dit, il faut que je vienne partager cela avec vous, quoi. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Que ce soit fond de teint, que ce soit produit, masque, gommage et tout, ça dépend quoi. Je vais vous montrer ce que je fais. J'ai par exemple ceci, j'ai un truc, ça c'est un, comment est-ce que vous appelez cela, plastique, pour mettre des trucs, disons emporter des trucs ou alors... congeler des produits ou alors emporter on peut mettre le petit déjeuner dedans, disons ça conserve très bien, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce que je fais actuellement, surtout si ce sont des produits qui ont coûté assez cher, j'ai par exemple ce masque de chez Normadem, de Vichy Normadem, qui se présente comme ceci, voilà. Donc, il est presque fini, quoi. On peut dire il est fini. J'ai encore le prix là. C'est un masque qui m'avait coûté assez cher. 30 euros, 20 centimes. Donc, si vous regardez bien encore le prix là. Donc, c'est un produit qui a quand même coûté assez cher. Alors, je faisais le masque. Je me suis dit pourquoi est-ce que, disons, je sentais qu'il y avait encore du produit à l'intérieur, mais je n'arrivais pas à le faire sortir. Alors, j'ai pris les ciseaux et puis... Alors, vous voyez, j'ai coupé et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits à l'intérieur. Donc, c'est ça quoi, plein de produits à l'intérieur. C'est un masque que j'ai encore fait 2 fois et il y en a encore, il y en a encore à l'intérieur quoi. Donc, c'est ça. Alors, pour que les bactéries n'entrent pas dedans, ce que je fais, donc je le conserve dans un truc comme ceci. Donc c'est un truc qu'il faut après utiliser très rapidement quoi, voilà. Donc c'est ça, je le mets dans un truc et je ferme hermétiquement. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai par exemple des fonds de teint comme celui-ci de chez L'Oréal. C'est des fonds de teint qui ne coûtent pas assez cher quand ça finit. Ça là c'est un peu compliqué à récupérer le produit quoi, il y en a encore un peu, mais c'est un peu difficile à récupérer le produit. Alors je me dis c'est un fond de teint qui n'a pas coûté assez cher, ça m'est un peu égal. Mais les fonds de teint par exemple comme ceci de chez MAC par exemple, voilà, ou alors celui-ci Face and Body. C'est des fonds de teint qui coûtent quand même assez cher et c'est des fonds de teint qui sont en train de finir. Celui-là, il est en train de finir, mais je l'ai encore jusque-là. Jusque-là. Alors, quand on regarde là, voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est pas quand même assez pratique pour mettre le produit. Je le mets souvent là avant de le mettre sur le visage, quoi. Donc... plus tard, il va finir bientôt. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de le couper par là, au lieu de couper par là, je vais utiliser le produit jusqu'à la fin parce que je me dis que ça coûte quand même assez cher et puis je ne veux pas faire du gaspillage. Donc, je vais prendre les ciseaux et je vais essayer de le couper par là. Voilà, je vais essayer de couper par là avec des ciseaux et je vais essayer de fermer. Et je le mettrai dans un truc comme, comme celui-ci, quoi. Je le mettrai comme ceci, dans un truc là-dedans, jusqu'à ce que je l'utilise jusqu'à la fin. Parce qu'il y a trop, il y a de produits qui restent dans ce truc-là.
Alors celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé là pour me maquiller et il est fini. Ça fait un bon bout et je l'ai déjà utilisé 4 fois quoi, bien qu'il soit fini. Alors comme ceci, le produit ne sort plus, vous voyez, il ne sort presque plus. Alors qu'est-ce que je fais? Je me prends des petits pinceaux comme ceci et je mets, vous voyez là, même avec ça, ça ne sortait plus quoi. Même avec ceci, ça ne sortait plus. Il y a encore du produit à l'intérieur, donc c'est encore peut-être pour 4 utilisations. J'ai pas besoin de beaucoup de fond de teint sur le visage. Bon, ça dépend aussi. Alors, ce que je fais, je prends ce truc là, je mets à l'intérieur. Ou alors un pinceau comme ceci aussi, un vieux pinceau comme ceci. Je mets à l'intérieur, j'enlève le produit et je le pose. Donc, vous allez vous rendre compte que vous jetez assez de produits qui restent à l'intérieur. Moi-même, j'avais l'habitude de le faire, de jeter les produits. Je me suis décidée, j'ai eu cette idée. Ça fait juste 2 mois, je pense, ou 3, comme je le dis. Et c'est vraiment profitable. C'est profitable. Vous enlevez le produit et puis vous vous maquillez. Il y en a encore, donc j'ai encore peut-être pour 3 utilisations, quoi. Donc, voilà, comme celui-là. Alors, par exemple, j'ai ceci. Celui-ci, il est encore plein, toujours de chumac, ce concealer. Voilà. Que je trouve pas très pratique. Je le trouve pas très pratique. Pourquoi? Je voulais pas faire une revue, mais je pense que ça fait une petite revue. Je le trouve pas très pratique à cause du bouchon là. Disons, on a juste besoin de le mettre comme ceci. Voilà. Mais comme ceci, il s'ouvre pas. Voilà. Alors que le fond de teint de chez MAC là, il est également comme celui-ci, mais on peut quand même l'enlever et puis utiliser le produit jusqu'à ce qu'on puisse encore vouloir continuer à utiliser le produit jusqu'à la fin. Donc celui-ci, ce concealer, il est presque plein encore. Je l'ai utilisé juste jusque-là. Donc quand il finira, je verrai ce que je ferai, quoi. Et par rapport à cela, voici l'autre concealer de chez MAC toujours, que je trouve très pratique. C'est un concealer qu'on peut utiliser jusqu'à la fin, puisqu'il est, vous voyez, donc il est presque fini, mais comme il est avec ce truc-là, donc je continue à profiter du produit, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Et comme celui-ci, par exemple, aussi de chez Maybelline. Je le trouve également très pratique. Voilà. Donc c'est ça. Et je me suis dit que peut-être qu'il y a des personnes qui jettent des produits comme je le faisais également avant, qui peut-être ne s'en rendent pas compte et tout. Et alors, je me suis décidée à faire cette petite vidéo, quoi. J'espère que ça vous donnera des idées, ça vous a donné des idées et que donc c'est comme ça. Dites-moi si vous avez des idées aussi et comment est-ce que vous faites. Est-ce que vous terminez vos produits vraiment en les ouvrant comme je le fais ou alors vous les jetez comme je le faisais avant. Donc c'était tout. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort. Nous nous retrouvons pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.